Au sport, les Jeux sont même pas commencés, que l'équipe canadienne, en fait, Soccer Canada et l'Association olympique canadienne sont dans une situation très délicate. Scandale, parce que le premier adversaire de l'équipe féminine de soccer vendredi, c'est la Nouvelle-Zélande. Et plus tôt cette semaine, lors d'une pratique de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, des joueuses ont aperçu un drone. On a saisi le drone, on a retrouvé la personne qui l'opérait et semble-t-il que c'est une personne qui est reliée à l'équipe canadienne de soccer. C'est une personne qui s'occupe, semble-t-il, de toute la stratégie qui a été arrêtée. On parle d'une personne qui n'est pas une personne officielle, mais quand même membre non accrédité de l'équipe d'analyse de la performance chez Soccer Canada. Donc, on tentait, en tout cas, ça donne cette impression-là, d'espionner l'équipe adverse pour avoir ses stratégies. Évidemment que c'est l'embarras au Comité olympique canadien qui s'est dit à la fois bouleversé et déçu, a présenté ses excuses à la Nouvelle-Zélande, collabore à l'enquête du CIO. Il y aura sans doute des suites à tout ça.